los campeones de la Barcelona World Race edición 2014-2015, Bernard Stam y Jean Le Cam. Très bien, félicitations, please. Merci. Muy bien, señores, señores, podemos empezar con las preguntas para nuestros campeones. ¿Quién quiere romper el hielo? Tenemos traducción, así que den tiempo, por favor, cuando acaben la pregunta o la respuesta a ellos. Vale, ¿quién quisiera empezar? Tenemos micrófono. Primera pregunta. Bueno, como nadie quiere hacer la primera pregunta, pasemos a la segunda. Segunda pregunta, ¿quién quiere hacer la aquí? La segunda pregunta haces. Gracias, buenas noches. En primer lugar, me gustaría felicitarlos, como todo el mundo ha hecho ya desde su llegada, por esta extraordinaria victoria. Me gustaría preguntarle a Bernard por la sensación que tiene por haber logrado una victoria tan extraordinaria después de haber protagonizado en las regatas anteriores situaciones que seguramente le habían dejado como triste o decepcionado, en fin, con una sensación insatisfecha, ¿no? Y vuelve a la cumbre de la vela oceánica. Y a Jean Le Cam me gustaría preguntarle por su experiencia de navegar a dos después de haber vivido con los IMOCA repetidas vueltas al mundo. Y esta es la primera en la que ha completado la regata en la modalidad A2. Gracias. D'abord, merci beaucoup et mes félicitations pour votre victoire. Une question pour Bernard. Quelles sont vos sensations de cette victoire? Parce qu'avant, vous avez eu d'autres courses avec une expérience un peu plus décevante. Et la question pour Jean, c'est quelle est votre expérience, la voile AD, après avoir fait la voile avec les IMOCA? C'est la première fois d'une course AD. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question pour chacun de vous. Alors d'abord, Bernard, peut-être? Je vais commencer. Alors déjà, c'est... moi, je pensais participer à la Barcelona World Race dès sa première édition, donc j'ai pas, ça s'est pas fait. Et de maintenant pouvoir participer à celle-ci et en plus de la gagner, c'est une grande récompense. Maintenant, j'ai eu des mésaventures. Par contre, j'ai aussi eu des autres victoires sur des tours du monde, donc c'est pas toujours mal passé. Et en fait, je me rends compte que j'ai jamais fait une autre place que premier sur un tour du monde. Voilà, c'était. C'était soit premier, soit pas du tout classé. Quoi. Sonido, por favor. En primer lugar, antes ya intenté participar en la Barcelona World Race durante la primera edición, no pudo ser. Y para mí, el participar en esta regata y el poder ganar representa un gran triunfo, una gran recompensa. Evidentemente, ha habido muchas aventuras, no todos siempre son victorias, pero bueno, me doy cuenta que cada vez que participo gano, con lo cual es un gran triunfo.
Les gens. Je sais pas. C'est facile de répondre à une question quand on vous la pose et que vous répondez. Par contre, quand on pose une question et que l'autre répond et que vous écoutez les questions et les réponses, et en plus, je n'ai pas compris la question. Alors, ça. Parece fácil cuando escucho la pregunta, escucho la respuesta, vuelvo a escuchar la pregunta, pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Perdón, sí, la pregunta era, por su experiencia, después de haber dado la vuelta al mundo repetidamente en los IMOCA en solitario, esta vez es la primera vez que lo hace a dos, y esa era la pregunta, la experiencia de haber completado de nuevo la vuelta al mundo y esta vez a dos. Vous avez déjà de l'expérience de IMOCA tout seul, mais c'est la première expérience d'une régate à deux. Quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que vous en pensez de cette expérience? Non, c'est la deuxième. D'abord, j'avais déjà, il y a 4 ans, j'étais au départ de la Barcelona avec Bruno Garcia. Donc c'est ma deuxième expérience. C'est vrai que la première, elle s'est arrêtée aux îles du Cap-Vert sur un dématage. No es la primera experiencia, es la segunda experiencia. Yo ya participé con Bruno García. Bueno, tuvimos que abandonar la regata en las islas de Cabo Verde por pérdida de mástil, pero bueno, no era la primera vez, ya es la segunda. Je sais pas quoi dire. Y no sé qué más queréis que os diga. Yo tengo una pregunta. Después de tanto tiempo juntos, ¿vais a pedir el divorcio? ¿Queréis dejar de veros en uno al otro durante un tiempo o todavía pues os aguantáis? Vous avez passé quelques mois ensemble, voulez-vous divorcer, vous séparer maintenant ou vous pouvez continuer encore ensemble? Juste un petit moment. À toi, Jean. Un poco sí. Bah là, on est ensemble encore. Hein. Estamos juntos, ¿no? Aquí estamos. Todavía estamos. Vous savez, c'est comme un couple, hein. Chaque jour suffit sa peine. Es como en toda pareja, ¿no? Cada uno tiene que llevar su cruz. Parce que vous, dans votre couple, tous les jours, c'est pas rose. Hein. Chez nous non plus. Mais bon, la vida no es nunca de color de rosa en una pareja, pues entre nosotros tampoco. On tient le coup, chacun fait des concessions et c'est comme ça qu'on dure. Cada uno se aguanta, nos aguantamos mutuamente y bueno, vamos empujando los días. Voilà. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Encore de questions? Por favor, vamos a la cuarta pregunta. Vale, la quatrième question, alors. Ahí está la cuarta. Voilà. Oh, bueno, ahí delante. Lo primero, felicitarles y desde luego honrados de que estén y de que sigan. En 3 meses de participación, en 3 meses de convivencia tan estrecha, seguro que tuvo que haber, al hilo de lo que están contestando y de lo que preguntan, algún roce, alguna riña, alguna cosita. ¿Cómo se soluciona eso cuando el espacio es el que es? D'abord, mes félicitations, on est très content de vous recevoir ici. Après 3 mois de vivre ensemble, c'est sûr qu'il y a eu des petits problèmes. Comment gérez-vous les moments de tension, les petits problèmes qui se posent tous les jours? Façade, c'est une petite traînée de poudre en fait. Je veux dire, ça vient des fois par la fatigue ou par réflexe, quoi. Voilà, et ça s'en va comme ça vient, quoi. Voilà, c'est. Mais nous, globalement, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Hein, On s'est acharné à faire fonctionner le bateau, quoi. Voilà, et comme c'est un bateau compliqué, ça nous a pris tout notre temps, donc on n'a pas eu le temps de
de se prendre le bec, voilà. Bueno, es verdad que puede haber momentos de fatiga que crean alguna pequeña tensión, pero bueno, esos momentos desaparecen tan rápido como aparecen. Entre nosotros no ha habido grandes problemas y la verdad es que es un barco tan técnico y tan complicado que ya se ha llevado gran parte de nuestras energías. No hemos tenido tiempo para mucho más. Gracias. No. No, no se oye. Prueba otra vez. Tendría que estar puesto. Buenas noches. Ya supongo que en una prueba de estas características tan duras no se puede hablar de victoria cómoda, ¿no? Aunque llevéis varios días de ventaja sobre los rivales perseguidores que vienen detrás vuestro. ¿Habéis visto en algún momento, habéis estado, dos cosas, habéis estado muy pendientes de los rivales en este sentido y habéis visto peligrar en algún momento la victoria? Gracias. Bonsoir, c'était une course très dure. La victoire n'est jamais facile, n'est jamais confortable. Est-ce que vous avez regardé tout le temps les autres bateaux qui participaient dans la course? Est-ce que vous avez pensé à aucun moment que peut-être il y avait un danger de ne pas arriver en tête de la course? Bah oui, parce qu'il y a toujours un danger de ne pas arriver jusqu'au dernier moment. Donc, on a tout le temps regardé tous les bateaux de la course, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une analyse de ce que font les autres. Puis moi, j'avais Bruno Garcia, avec qui j'ai couru la dernière Barcelona, enfin tout au moins le début. Donc, je regardais un petit peu comment est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il faisait Bruno, comment est-ce qu'il naviguait, donc voilà, on s'intéresse forcément aux autres concurrents tout le temps de la course, et puis voilà, ça fait partie du quotidien. Sí, evidentemente, el peligro de no llegar los primeros está siempre ahí. No hemos dejado de vigilar al resto de barcos participantes en la regata. Siempre es interesante observar lo que hacen los otros, ver qué trayectoria siguen, cuáles son sus métodos de navegación. Y evidentemente yo, como había navegado con Bruno García, pues también me fijaba en él, qué hacía, cómo navegaba. Sí, no los hemos perdido de vista en ningún momento. ¿En qué momento teníais claro de que ibais a ganar? ¿A qué momento preciso habéis visto ya que vous allez être gagnant de la course? Ben, en passant la ligne d'arrivée. Quand hemos pasado la línea de llegada. Más preguntas del público. No. Sí, para que puedan oír, por favor, el micrófono. Micrófono, por favor. Si no, no llega el sonido. Y después... Bonsoir. Felicitaciones. Una pregunta para Sean Le Cam. Si en algún momento sufría por el mástil. Una pregunta para Sean Le Cam. ¿A aucun moment vous êtes inquiété du mât du bateau, le mât? Tout le temps. ¿No? Tout le temps. Todo el tiempo. Ouais. C'est-à-dire que le mât, ça fait partie d'une des parties du bateau qui fait que tu puisses ne pas arriver. Donc, el mástil es un componente esencial del barco y es lo que determina el llegar a la línea. Le dématage faisait partie de ces... Et donc, moi, j'y pense toujours parce que c'est vrai que quand on a dématé déjà plusieurs fois, c'est des choses qu'on... Bah, la dernière Barcelona, déjà, et ça reste toujours gravé, quoi. Es algo en lo que pensamos constantemente, sobre todo cuando ya en varias ocasiones has perdido el mástil, bueno, pues es una preocupación que está ahí. Muy bien, gracias. Ahí hay una pregunta. Una petite question de la part d'Andy.
Est-ce que vous avez vu des compétences ou est-ce que vous étiez complètement égal sur le bateau? Est-ce que vous avez vu entre vous des choses qui étaient que l'un faisait mieux que l'autre? Ou était complètement égal? Ou est-ce que c'était complètement égal sur tous les niveaux? Et quand il y a deux personnes, elles ne peuvent pas être égales. Hein. Je veux dire, s'il y a deux personnalités, elles sont forcément différentes. Maintenant, on faisait à peu près tout chacun. Parce que quand il y en a un qui dort, ben, l'autre, il fait le reste. Quoi. Donc, c'est, voilà. Et puis, après, ça, c'est comment dire, c'est... moi, je me suis un peu plus occupé de l'ordinateur. Voilà. Et pendant que Jean était plus plutôt en terrasse pour le réglage, quoi. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faisait pas d'ordinateur et c'est pas pour autant que je réglais pas, quoi. Voilà. Mais on a jamais défini les tâches, quoi. Je veux dire, on s'est toujours, enfin, on a toujours par réflexe fait tout, quoi. La pregunta que les han planteado era si se habían dividido las tareas o si cada uno actuaba en el momento según lo que tenían que hacer. Han dicho que, claro, evidentemente ellos son distintos, las personalidades son distintas y todos, los dos, tenían que hacer de todo. Evidentemente hay uno que descansa y otro que trabaja y después alternan. El que está descansando trabaja y al revés. Él se ha ocupado quizá más del ordenador y Jean de todo lo que es el trimaje y el reglaje. Pero bueno, no tenían ninguna tarea definida específicamente, sino que iban haciendo según surgían estas necesidades. ¿Y qui a plus mangé? Qui a plus mangé? Qui a tout mangé? Et quién se lo ha comido todo? On avait chacun notre nourriture. Cada uno teníamos nuestra comida. Qu'on partageait aussi. Que nos repartíamos como buenos hermanos. On s'invitait. Nos invitábamos mutuamente. Bien, más preguntas de los medios aquí. Sí, ¿qué vais a cenar hoy? ¿Quel sera votre repas aujourd'hui pour dîner? Non, moi je sais pas, qu'est-ce que je sais pas, là, ils nous ont préparé quelque chose mais on sait pas quoi. Dice que no tienen idea. Algo les han preparado pero no saben lo que es. Je crois que c'est de la viande. Me parece que es algo de carne. Muy bien, allez. Bonsoir, je suis sur votre droite ici. C'est un environnement particulièrement bruyant. Et j'imagine que jour après jour, quand le bateau tape en permanence, c'est peut-être difficile à vivre. On finit par s'y habituer ou on met des boules-caisses ou comment ça se passe? Bon, en fait, on a eu... c'est hier, hein. Sí, sí, es difícil, ¿no? La cuestión sí es difícil, el día a día resulta difícil vivir, pero supongo que uno acaba acostumbrándose. Ce matin, on a eu une vibration dans le auban qui était carrément insupportable. Et l'auban, pour une raison voilà, qu'on ne connaît peut-être pas, le galoban est parti en vibration. Le auban, c'est les trucs qui tiennent le mât. Y partió en vibración y là c'était vraiment infernal, quoi. Sí que ha habido algún momento de mucho ruido, de alguna vibración realmente insoportable y bueno, son momentos que realmente es como estar en un verdadero infierno. Sinon il y a bah si on s'habitue, hein. De toute façon l'être humain il est terrible parce qu'il s'habitue à tout. Pero si no fuera por eso, uno acaba acostumbrándose. Es curioso cómo el ser humano se acostumbra a todo al final. Donc, si tu fais un truc en répétition, avec tu tapes en répétition, il y a un moment, tu augmentes ton niveau d'acceptation de ce que tu... Tu vois ce que je veux dire? Es como si golpeas la mesa constantemente. C'est dans tous les domaines, on est foutu comme ça, quoi. Nous, pas si les autres animaux sont comme ça, mais nous, on est comme ça. Si golpeas la mesa constantemente, oyes un ruido sin cesar, es curioso, pero el ser humano al final acaba asimilándolo y acaba acostumbrándose.
Muy bien, última pregunta. Veo que hay. Dernière question. Est-ce que vous êtes fatigué ou vous êtes bien? ¿Estáis cansados o estáis bien? Moi je suis fatigué. Yo estoy cansado. Je suis fatigué et je pense que j'ai perdu beaucoup de physique sur la remontée de l'Atlantique Nord. Là, c'est, on a fait du pré où on n'a même pas marché, quoi. On se levait pour régler les voiles et régler, c'était des centimètres. Et puis on prenait un centimètre, on relâchait un centimètre. Et on a fait ça pendant deux semaines et demie. À part ça, on faisait juste le nécessaire pour tenir debout, quoi. Voilà. Enfin, c'était même pas debout, quoi. C'était essayer de se déplacer. Et à part ça, rien, quoi. Pues sí, estoy muy cansado. Donc c'était. Puis après, ben, on recommence à faire des manœuvres qui sont quand même assez lourdes, quoi. Et ben là, on sent qu'il y a de la fatigue, quoi. En tout cas, moi, oui. Pues sí, estoy muy cansado. Tengo la sensación de que he perdido forma física, sobre todo cuando remontábamos el Atlántico. Tan solo podía moverme para trimar algunas velas, cazar un centímetro, soltar otro centímetro, y esto durante dos semanas y media, con apenas espacio para mantenerme de pie, para realizar estas maniobras, pues sí, realmente ahora mismo acuso la fatiga. No sé mi compañero cómo está, pero yo estoy cansado. Bueno, pues... Ah, bueno, moi je suis fatigué aussi. Yo también estoy cansado. Bueno, pues... Mí también. Como los dos están muy cansados y seguramente con muchas ganas de comer de todo, vamos a dejarlo aquí. Os pediría un último aplauso. Finalmente, un último aplauso también para nuestros campeones. Bernard Stamm, Jean Lecam, campions de la Barcelona World Race 2014-2015. Merci. Doncs gràcies. Doncs moltes gràcies a tots, gràcies a todos. Muchas gracias. I ara... Foto? Où? Oui, le deux. Comme quoi le meilleur moyen de communication n'est certainement pas la parole et les mots. Merci. No sé qué ha dicho. No lo digo.